Salut. Alors je vous partage donc une information donc, que je viens de lire concernant donc euh, une affaire donc, de, viol, de viol sur mineur. Il s'agit en fait donc de d'ex patineuses françaises de haut niveau donc des championnes qui accusent leurs entraîneurs donc de violence sexuelle et d'abus et de viol même. Vous pouvez trouver donc l'article donc sur euh, le sur eurosport.fr donc plusieurs euh, anciennes patineuses françaises de haut niveau dont la multimédaillée donc Sarah Abitbol qui accuse à visage découvert donc euh, mercredi dans le quotidien l'équipe et le magazine euh, l'ops leurs entraîneurs de viol et d'agression sexuelle entre la fin des années 70 et les années 90 alors sarah Abitbol, euh, j'ai été violée à 15 ans donc dans le dans l'Obs elle accuse son ex-entraîneur de multiple agression sexuelle, tout comme d'autres anciennes patineuses françaises de haut niveau, euh, qui de leur, et de leur côté, donc, euh, ses coachs qui sont mis en cause, nient les faits ou n'ont pas répondu ni à l'équipe ni à, ni à l'OPS. Alors il faut savoir que Sarah Abitbol a été dix euh, fois championne de France, multimédaillée européenne et troisième au championnat du monde en couple en 2000. Donc pour ceux qui suivent le patinage, donc elle, est, elle est forcément connue. Euh, moi, ça, ça me fait penser aussi donc aux interviews de tout temps là. Euh, tout est beau, merveilleux, nanana, de comment il s'appelle là de, euh, Nelson Monfort. Alors là, on est donc dans des accusations, bien sûr, qui sont graves, puisque Sarah Paul euh, accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer d'agression sexuelle et de viol entre 1990 et 1992, alors qu'elle avait entre 15 et euh, 17 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour commenter juste cette information ben, C'est qu'on a affaire donc, à des, euh, des milieux bon ben, avec des gens dégueulasses, hein, qui euh, profitent de, de gamines, qui euh, souvent leur ont été euh, confiées avec le consentement de leurs parents, et... Euh, enfin, de gamines sont sportives, bon, elles, ont, elles, elles ont des corps, mais euh, ça n'excuse pas. Hein, donc, euh, on connaît donc le, le, le sport, ce que ça fait donc euh, comment on peut se développer donc grâce, grâce justement aux activités sportives, surtout, dans, surtout celles qui sont dans le haut niveau. Euh, alors, juste un petit, un, un petit commentaire donc, par, par, rapport à, par rapport à cela. Quand euh, tous ces jeunes là donc, tous ces, ces professionnels, qui sont des entraîneurs, ce sont des entraîneurs donc, qui sont euh, ben, diplômés euh, d'État, euh, brevets, diplômés, ou, euh, ou, euh, ou STAPS ou autre, hein, au niveau des cursus, donc, euh, avec donc, des formations internes dans les, féd dans les fédérations, dans les comités, CREPS euh, et, euh, et INSEP. Euh, dans lesquels, donc, euh, évidemment, il y a, y, a y a la spécificité de l'activité, mais il y a aussi euh, enfin, le tronc commun au départ, dans lequel donc, euh, on apprend et on étudie aussi donc, les différents publics en fonction des, des tranches d'âge, à savoir leur, leur comportement. Donc, euh, de. Donc c'est des gens qui n'agissent qui pas donc, innocemment. Quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on sait. Donc euh, on connaît les comportements. Il y, y a des choses sur lesquelles, euh, normalement, euh, on doit alerter. Et ensuite, bon, ben, c'est à, à, à chacun, euh, à chacun de, 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 de faire comme en fait. En conscience, on dira. Donc ce travail... implique D'avoir une, une grande conscience, un grand dévouement, et les, les enfants, donc on n'y touche pas. Donc là, sur l'ops sur on voit, donc le, vous voyez donc le, la photo, le visage de, qui est grave de Sarah Bidvol qui brise une championne, brise l'Omerta. Alors elle déclare qu'il a commencé à faire des, des choses horribles jusqu'aux abus sexuels. Et euh, qu'elle a été violée à 15 ans. C'est la première fois euh, qu'un homme euh, l'a touchée, me touché, témoigne-t-elle, dans une vidéo sur le site de l'Obs, à la veille de la sortie. Je n'ai pas vu la vidéo, de, ben, on pourrait la regarder. De, de, voilà. Donc, euh, un long silence, Voilà, ça c'est le titre de son film. De son côté, Hélène Godard affirme dans l'équipe et l'Obs que la, le même Gilles Beyer champion de France en 1978, alors de 8 ans son aîné, a eu euh, deux rapports sexuels alors qu'elle avait, avec, avec elle à la fin des, des années 70, alors qu'elle avait entre 13 et 14 ans. Waouh Donc en titre de l'équipe, alors je pense qu'en témoigné, donc à la fin, la fin de l'Omerta, enquête glaçante dans l'équipe sur les violences sexuelles dans le sport de haut niveau. Témoignage poignant de femmes brisées euh, dans leur chair, mais ô combien courageuses. Ils se disaient amoureux de moi, mais comment peut-on aimer une fille de 13 ans ben, La pauvre, si elle savait, elle n'est pas au bout de, de, de ses surprises dans l'horreur. Mais bon, je pense qu'elle doit savoir, parce que fille de 13 ans, après, il y en a comment on peut faire d'autres choses euh... Ensuite, cette jeune demoiselle est tombée sous l'emprise sexuelle de Jean-Roland Racle. Septuple champion de France qu'il hébergeait avec son épouse à son domicile de Nogent-sur-Marne. Elle avait entre 15 et 16 ans, lui plus de 30. Par ailleurs, deux autres patineuses, Anne Brunotto et Béatrice Dumur, accusent aussi Michel Lotz, vice champion de France en 1978 et 1979, d'avoir abusé d'elle dans les années 80 alors qu'il hébergeait les deux jeunes filles âgées de 13 ans. Quand il était entraîneur au club d'Anières-sur-Seine, au de Seine. Titre silence organisé, selon l'équipe Gilles Beyer, qui a poursuivi sa carrière comme directeur des équipes de France et entraîneur national, puis comme manager du club pharisien des Français Volants, a fait l'objet d'une enquête du parquet de Créteil qui n'a pas abouti au début des années 2000, puis d'une enquête au sein du ministère des Sports et cette dernière a conduit le ministère à mettre fin à ses fonctions de conseiller technique sportif le 31 mars 2001. Mais Gilles Beyer a ensuite poursuivi sa carrière au français volant et a été membre du bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace, dont le président Didier Gaillaguet en place depuis 1998 à l'exception. De la période 2004-2007 n'a pas répondu à l'équipe. Donc, il doit. Bah évidemment, il n'était pas censé hein, ne pas être au courant, le gars, étant donné sa fonction. Bon, pas non plus. Et euh, là, c'est marrant, pareil. Donc, Didier Gaillaguet, insensé. Euh, je me rappelle à l'époque, il y avait. Euh, après, je crois, il y avait Sora Bonali, tout ça. Euh, pas Sara. Euh, Sonia bon euh, je ne sais plus. Enfin, euh, euh, qui, était, qui était forte, quoi, qui a été. Euh, Ogio, médaillé... Euh, voilà. à l'époque aussi, de comment il s'appelait l'autre... là euh... ben ça, ça ne m'en revient plus. Bon, de toute façon, vous pouvez, vous, vous pouvez trouver. Là. Alors, euh, le gars, il est très connu. Dans l'OPS, donc, Sarah Bibdol affirme avoir évoqué, après l'arrêt de sa carrière, le cas de Chilbeyer, avec le ministre des, avec le ministre des Sports, alors, d'alors, Jean-François Lamour, qui lui aurait rétorqué, oui, on a un dossier sur lui mais on va fermer les yeux. Voilà. Ces accusations qui sont graves. Selon la vidéo de l'entretien accordé par la patineuse à l'hebdomadaire, contactée par l'OPS, l'ancien ministre indique ne pas se souvenir de cette conversation. J'ai compris que j'étais face à un silence organisé. Au fond, tout le monde me disait, prends tes médocs et tais-toi. J'ai obéi, j'ai pris mes médocs et je me suis tue déclare-t-elle à l'ops Waouh waouh ça me fait penser à l'affaire de Karen Neudler. Écoutez aussi ce qu'elle dit. donc Il y a des vidéos sur euh, dans l'émission Nardisson, son témoignage. Vous avez ça donc sur, sur YouTube. Euh, ou Allez, euh, ben, comme d'habitude, ceux qui, ceux qui me connaissent sur la chaîne Alexandre Le Breton. Alors, dans l'article, qui parle d'une vague planétaire. Dans le contexte de la vague planétaire, Monsieur Too, M. Tout, euh, enfin, euh, hashtag MeToo, MeToo de libération de la parole, des victimes de violences sexuelles dans de nombreux milieux, d'autres affaires d'abus ont marqué le sport français ces derniers mois. Vendredi dernier, l'ancien entraîneur de tennis Andrew Guedes a été condamné à 18 ans de prison pour des viols sur quatre de ses anciennes élèves mineurs. Fin 2019. Une enquête du collectif de journalistes Wii Report avait déjà mis au jour des dysfonctionnements majeurs à différents échelons. Fédération, clubs, collectivités, locales, état-justice, dans 77 affaires ayant fait au moins 276 victimes, la majorité des enfants de moins de 15 ans. Et euh, dans 28 disciplines sportives différentes, et le nouvel, euh, cette nouvelle vague de révélations a fait réagir le gouvernement, la secrétaire d'État à l'égalité, femme-homme Marianne Chapin, a salué la démarche des sportives qui ont témoigné blablabla, et elle leur a adressé son soutien sans réserve. Blablabla, voilà, Monsieur Sports Solution, on a salué l'initiative. Bon, bref, allez, on passe là-dessus. Voilà, donc... Euh rajouter si ce n'est que ben euh, voilà il faut parler euh, peut-être que c'est encore aussi un autre truc pour noyer des affaires plus graves aussi que ça sorte ça maintenant avec l'affaire Epstein donc c'est à vous de voir hein, et, euh, et aussi les, les, les autres affaires extrêmement graves donc de criminalité de torture et tout ça mais bon euh, cette affaire est, est particulièrement grave elle touche aussi donc le ben, qui touche le milieu, le milieu du sport de haut niveau. Voilà, donc sachant une chose, une petite remarque, c'était donc, euh, euh, donc euh, des adolescentes, donc des mineurs, hein, euh, la question euh, qu'on peut se poser, c'est à partir de quel âge on est préadolescent, et à quel âge on est considéré adolescent, euh, puisque donc, ça repose la, la, la question par Marianne Chapat, hein, rigolo, euh, qui a donc... Euh, abaisser la, la majorité la majorité sexuelle à je ne sais plus quel an euh, donc c'est assez dégoûtant et scandaleux voilà donc euh, par contre je fais un petit euh, comment dire un petit coucou à Taku s'il si m'écoute si euh, bravo donc pour, pour ton, ton live là de sandy euh, donc ce qu'il a fait c'est particulièrement courageux parce qu'on a affaire donc il a fait un live et euh, là on a affaire à un groupe a priori euh, particulièrement dangereux et, euh, et protégé. Donc euh, allez regarder donc ce sur la chaîne de Taku Funky, euh, sur YouTube. Et euh, voilà. Je vous souhaite donc, euh, je vous dis au revoir, à bientôt.